Bonjour à tous. Dimanche matin, on a encore une fois habillé comme des ploucs, pas coiffés. Mais bon, faut bien bosser. Bon ben, je pense que vous l'avez reconnu. Petit 4x4 Porsche Cayenne. Donc, il est noir de base avec les chromes. Le monsieur veut passer en noir mat complet. Tout en noir mat et les jantes on les passe en noir brillant parce que c'est un gris un peu. Alors je sais pas c'est quoi la teinte de ce gris, mais c'est vrai que ça fait un peu spécial. Je veux pas dire que ça fait pas beau, mais c'est vrai que ça fait bizarre. On dirait vraiment la couleur de l'après, comme si les jantes avaient été préparées mais n'avaient pas été terminées. Du coup, le monsieur il m'a dit moi je veux que tu me vires ça, j'en veux pas. Du coup, ben on va lui faire un full black, donc toute la voiture en noir mat, par contre les jantes on les met en noir brillant. Donc là, ça va être hyper simple parce que en fait les jantes en temps normal, bon un dip c'est vraiment en surface. Et là ce que je vais faire c'est que au pistolet, je vais mettre les premières couches sur les jantes et je vais venir fignoler dans les creux avec la bombe. Donc là, ça veut dire qu'il y aura une couche légèrement plus épaisse sur les jantes. Du coup, ben tant mieux pour le monsieur, vu que je fais du noir en même temps, c'est tout bénef pour lui. Je vais mettre une meilleure couche sur les jantes parce qu'à la bombe, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fin. Donc, je vais mettre du noir mat sur ces jantes aussi en passant. Je vais juste calfeutrer un petit peu les pneus quand même. On va pas faire ça comme des pourchios. Hein. C'est juste que là, bon, on est en train de la faire, apprendre encore à la nettoyer, la dégraisser. Mais on va mettre un collant autour pour dire de pouvoir retirer le surplus qui est sur le flanc du pneu. Et puis après, on passe une couche de ultra brillant sur les jantes en dip pour pouvoir le retirer plus tard si monsieur a envie de retirer sur ses jantes. Bon, sur ce, je vous fais le tour de la voiture et je vous dis à tout à l'heure. On vous laisse apprécier. Ça, c'est une voiture entre eux. Ça, c'est une voiture propre. Alors oui, on voit que ça allait être fait. C'est un peu gros. À cause de ce monsieur, mes collants ne collent pas. Mais bon, c'est tellement gros que la peinture va pas adhérer. J'aurais juste ça à faire au dos. Puis après, moi, j'ai tous les produits qu'il faut. Hein. Donc, vous voyez, j'essaie de calfeutrer comme je peux, mais tout mon collant, il tient pas. Mais bon, c'est juste pour dire que normalement, la peinture, elle va jamais jusqu'ici. Hein, mais bon. Moi, je préfère prévenir que guérir. Donc voilà, une fois que le capot sera fermé, vous allez voir que le plastique il est loin à l'intérieur. Limite, j'ai pas besoin de mettre le collant. C'est par prévention, mais bon. Regardez, on colle même pas. Bon, là on est en train de calfeutrer. On est en train de faire le contour des jantes. Alors pareil, hein, moi j'ai tous les produits qu'il faut. Vous, si vraiment vous le faites en dip, on vous conseille de mettre le collant à l'intérieur. Mais là, monsieur, il y a des run flat déjà dans un premier temps. Et en plus de ça, comment dire? Nous, on a le produit qu'on va mettre dessus pour dire que la peinture n'adhère pas. Donc, si vous le faites, essayez de le faire en mettant le collant à l'intérieur, ici. Ce sera beaucoup plus simple pour vous, sinon vous allez en chier pour tout retirer. Désolé pour le bruit de la pluie, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. La voiture, elle est terminée. Belle petite gueule. Je vous fais pas patienter plus longtemps. Je vous montre ça tout de suite.
abonnez-vous, mettez un commentaire si vous auriez fait pareil. Franchement, c'est vrai que le full black, c'est une valeur sûre. On en voit de plus en plus, mais c'est vrai que le résultat, il est tellement bien. Allez, je vous montre ça. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Okay.